Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Destiny 2 dans l'extension 2, l'esprit tutélaire. Nous sommes de retour dans la ZME, chers amis, et donc nous allons rejoindre le moment, enfin l'endroit où la quête est censée commencer. Nous y sommes. L'esprit tutélaire. Non, ça c'est mon véhicule. Descends, s'il te plaît. Livraison des terres en approche, gardien. Vous avez déjà vu ça auparavant. Hack. Ok, c'est bon. Livraison des terres en approche, gardien. Non, c'est pas... Vous avez déjà vu ça auparavant. Il faut un moyen d'appâter le sol. D'accord. Quelque chose qu'il voudrait dévorer. Je ne suis pas sûr de vouloir découvrir de quoi un dieu monstrueux se nourrit. Moi non plus. De puissance. Nous avons intercepté des transmissions de la Légion Rouge à propos d'un éclat du voyageur qui s'est détaché pendant l'attaque de Gaul. Alors ? Zol ne pourra pas résister à sa lumière. Ce sont les corrompus, non ? Ils brouillent mon signal. Les corrompus ? Ils veulent s'emparer de l'éclat ? Peu importe, éliminez-les ! Ok, ça se passe bien. Ça se mène très bien. Ça se passe même super bien. Je sais pas si je l'ai touché. Je crois pas. Ouais, ou j'arrive pas à y rentrer. Non, c'est bon. Salut. C'est fait. Ok. Voilà qui se passe bien mieux. Ah merde, il y en a encore. Moi, j'ai l'impression que ça vient de derrière moi aussi. Et bah parce qu'en fait c'est pas si loin que ça. Hop là, bouffe. Ouf. Ça va être tout noir. Ta gueule. Oh. Collez-vous tous comme ça, c'est... Bah merde, ils se sont décollés. Allez. Il est temps de progresser, Marcus. Et... Boum. Aïe. Comme à chaque fois. Je prends cher. Ok. Dégage. Des sept. Des yeux. Ok, on est bon. On progresse. Salut les... Il n'y en a pas un troisième. Ah. Hey. Voilà, merci. Donc, vous êtes nombreuses. Alors bien sûr, quand je dis salut les filles, ça n'a rien de sexiste, hein, au contraire. C'est plus... Alors, on va toucher à un truc bizarre, mais le fait d'être un macho n'est pas du sexisme. Et là, en plus, c'est une caricature d'un macho. C'est le macho qui arrive dans le groupe de filles, vous savez, qui n'en a... qui ne voit que des bouts de viande.
une caricature de ça à la base. Bref. Hop là. Hop là. C'est bon, je vous ai eu? Bien, la suite. J'ai trouvé. L'éclat est proche, mais le signal n'est pas le même que pour d'autres fragments du voyageur. Zavala, même si on arrive à la pâter, comment comptez-vous vaincre Xol sans l'aide de Rasputin? On ne va pas reparler de ça. J'en suis persuadée. Rasputin est le seul moyen d'arrêter Xol. Il nous faut la Valkyrie. Nous avons relevé des défis insurmontables auparavant, sans Rasputin. Oh, dis donc. Ton ego est vraiment surdimensionné à Zavala. Hein. Ah bah merde, t'aurais dû le garder finalement. Ok, ça se passe bien. Les corrompus ont projeté une sorte de bouclier autour de l'éclat. Et que ce bordel. Bon, alors je suis déjà mort deux fois, chers amis, sur cet événement. On va analyser. Hop. Faut savoir qu'il y a à peu près 180 mecs amputés, donc un boss qui est extrêmement douloureux. Et malgré l'endroit, il n'hésite pas une seule seconde à venir dans tous les coins et recoins, malgré sa taille. Hein. Et donc je suis un petit peu dans l'expectation, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Là vous n'êtes pas encore assez nombreux pour mériter ceci. Là aussi c'était du gâchis. S'il est mort, faut s'occuper aussi des spéciaux qui viennent. Là, vous êtes assez nombreux. Presque pu attendre un petit peu plus. Elle est pas si rechargée que ça. Alors, mes têtes sortent plus? Vous sortez plus vos têtes? Ah bah voilà. Voilà. Là, j'entends mon arme surchargée. Merde. J'ai laissé un. Et comme vous le voyez, le nombre qu'ils sont est assez impressionnant. Hop. Et lui est déjà là. Hop. Et comme vous pouvez le voir, il est assez résistant. Le Warsat est armé et en position. Je demande des renforts orbitaux. Ouh, j'avais pas déclenché mon super, je voulais le garder pour plus tard, mais finalement, je l'ai lâché. Aïe. Aïe. Oh! Bon, au moins ça a marché. Anna, comment avez-vous fait pour qu'il tire? Je lui ai demandé. Rasputin a été créé pour aider l'humanité. Il m'écoute. Ah, c'est peut-être ça. L'esprit tutélaire a écouté cette fois-ci.
Mais assumerez-vous votre responsabilité le jour où il ne le fera pas? Mais il n'y a pas de responsabilité, il est libre de choisir, merde! Récupérez l'éclat du voyageur, puis revenez sur Mars. Nous avons un dieu à affronter. Comme stylé, comme... Voilà, on a mis ça dans notre poche, littéralement. Jalon mis à jour, fin de la mission. Oh! Ben voilà une mission qui a été dure et qui a été courte! Mon dieu, je l'ai reprise 3 fois et j'ai l'impression que... Ça fait qu'un quart d'heure! J'ai qu'un quart d'heure de tournage! Et je l'ai reprise 3 fois! Oh, alors ça, ça fait mal aux fesses! Bon. Bon. Très bien. On va aller récupérer ça, puis on va se quitter, tant pis. Je vais te garder quand même le un épisode par... Une mission par épisode. Pour qu'on soit honnête sur les durées de jeu, tout simplement. Ah bah là, il y a du monde dans celui-là. Ouah! En fait, il y a peut-être des gens qui jouent au jeu. Ouais. L'âme de l'éternité en version puissante. Putain, je me rappelle plus comment ça s'appelle, cette histoire. Ah non, c'est peut-être pas ça. Ça peut être ça, c'est la version plus puissante, là. Ça doit être ça. Ok. Bon, et bah, chers amis, on ira sur Mars dans le prochain épisode pour cet épisode qui aura... Cette mission qui aura, encore une fois, très très courte. J'espère qu'il y aura un bon nombre de missions dans cette extension. On était un peu déçus de la première extension. On verra bien, hein. J'espère, en tout cas, que ce sera mieux. Pour l'instant, en tout cas, j'aime beaucoup les décors. Encore une fois, la direction artistique a fait un travail de titan. Bref, moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Pour la suite, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager la vidéo si vous le pouvez. Salut les gens, et yop !